Salut tout le monde, et bienvenue sur la suite de Little Nightmare, enfin la suite, le DLC qui s'appelle Les Profondeurs, qui fait partie du Season Pass, qui contient 3 DLC. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je me rappelle de cette pièce. Oui, donc je disais... comment les DLC qui sont au nombre de 3, mais je crois qu'ils racontent la même histoire, enfin qui suivent un seul personnage, en l'occurrence lui, et je ne sais pas comment il s'appelle. Le seul truc que je sais, en fait, que je me suis spoilé par rapport au visuel et tout, voilà, les contrôles sont les mêmes, c'est que l'histoire est interconnectée avec l'histoire de Six, donc le personnage qu'on incarne dans le jeu de base. Attends, c'est par où? Donc on sera peut-être amené à la croiser. D'ailleurs, j'ai une supposition par rapport à ça. Je pense que le personnage qu'on incarne ici, c'est le personnage qui vous donne à manger quand on passe devant un moment un réfectoire et où on crève la faim et il y a quelqu'un qui nous tend un morceau de pain. Et je pense que c'est lui. Du coup, je tourne en rond. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois aller? Ça commence très bien là, si je commence à me bloquer. Et d'ailleurs, il me semble que quand on passe dans cette pièce avec Six, on voit, je crois... On voit des corps, des personnages endormis sur les lits. Donc c'est peut-être... Attends, il y a peut-être un interrupteur. Ah bah oui, il suffisait de pousser la porte, ok, bah c'est... C'était pas compliqué. Ah! Ah ben voilà! Ah ben voilà! C'était Six ou pas? J'ai pas reconnu. Je connais ton destin, mon cher ami, et il est pas très glorieux. Ok, c'est parti. Du coup, on doit faire quoi? T'as écrit ce personnage. On voit pas grand chose. Attends, je me suis bloqué, attends. C'est par là, ok. Ah, je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle... Ah, mais... Mais c'est quoi cet insta-kill dégueulasse? On va reprendre calmement. Non, ce n'était pas un cauchemar. Alors, on va faire gaffe à pas se rechoper. Voilà, tac. Après, j'espère qu'il n'y aura pas trop de recyclage, c'est-à-dire reprendre les mêmes endroits, les mêmes scènes, situations, et hop, on change le personnage, et hop, 10 euros, s'il vous plaît. Enfin, le Season Pass fait 10 balles, mais je crois que chaque chapitre, il y en a 3, ils font 4 euros chacun. Putain, j'arrive pas à saisir la poignée. Ah bah, il faut redescendre par là. Ah ouais, de toute façon, il faudra s'inspirer un peu du parcours qu'on a fait avec Six. On peut pas aller à droite. Ouais, bah ouais, il faudra faire le chemin à l'envers. Par contre, niveau durée de vie, je sais pas combien de temps ça dure, mais... Oula, oula. Mais oui, c'est Six! Mais oui, c'est... Ah, c'est la vision opposée! Attends, oui, non? Je sais plus. Voilà, c'est parfait, tout ça... Du coup, je vais repartir au début, en fait. Si on se croise déjà maintenant, ça va être compliqué de... À moins que je me fasse gauler. Hmm.
coup, est-ce qu'il faut, faudra utiliser le contrepoids pour passer? Non, mais oui, on peut passer à travers, donc. Mais tout est ouvert, mais c'est formidable. Ah, mais non, c'est pas Six du tout. C'est un autre personnage. Qui es-tu, toi? Attends, on peut pas grimper? Ah, ben voilà, on va essayer la cagette. Ah non, je crois que j'ai halluciné, ouais, je crois qu'on l'a pas croisé du tout jusqu'à présent. La discrétion totale. Je suis une ombre. Hop, hop. Oula. Attention, j'arrive à... Manuque. Oh mais non! Faut que j'arrête de mourir stupidement. En même temps, on a une petite pression du stick et hop, là, c'était daubé. Est-ce que j'ai le temps de... Ah, c'est une petite figuette, il me semble. J'espère que ça va pas finir un truc glauquissime, genre... Les espèces de cadavres... embaumés qu'on croise dans les cuisines et tout là qui finissent broyés. J'espère que c'est pas un des personnages qu'on a croisé là dans ce DLC parce que ça serait un peu tristoun. Oui, la phase où on transforme, on fait de la chair à saucisse là. Ouf. Attends. Oui, vas-y, grimpe. Grimpe, grimpe, grimpe. Voilà, j'ai du mal avec le stick des fois à me caler pile dans l'axe. Du coup, lui, il a pas de briquet, il a rien sur B. D'ouvrir ça. Youpi! Attends, est-ce qu'on l'a visité cette zone? Je ne pense pas. Non, s'il te plaît, mon petit. Évidemment que non. Voilà, on va utiliser la valise. Allez, chope-la, tire. On peut pas la pousser de l'autre côté? Ah, ça y est. Un peu plus de force, allez! Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut arracher les planches? Non. Ah non, on passe à travers, tout simplement. Oh, une arme de poche. Oui! Voilà, d'accord. Oh, c'est cool! D'accord, ça change du briquet. Je sens que ça va donner lieu à des situations très... Oui, oui, c'est ça. Fuyons, fuyons jusqu'au bout. Hop là! Allez, pas cool, pas cool, pas cool. Hop. Ok, comment... Ah, ah. Non, non. Non. J'ai glissé, chef. Et des fois, je m'embrouille un peu dans les contrôles... Je fais des actions supplémentaires qui me sabotent en fait. Quand tu bouges le stick ou quoi, tu annules ton mouvement. Allez, allez.
On y va, on grimpe. Voilà. On maintient juste la gâchette. Hop, voilà, pas de direction. Est-ce qu'on va croiser? On va croiser une bête sous-marine ou un truc, c'est obligé. On a démarré par ça. Là, pour l'instant, c'est des salles totalement inédites. Si je me rappelle bien, en tout cas. Voilà, on arrache les planches. Ah, il y a un truc qui se rapproche. Ah. Où es-tu? Il y a encore un script calculé au poil. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais sauter par là? Attends, est-ce qu'il y a une valve pour faire monter le niveau d'eau? Je ne sais pas. Non, on peut pas sauter par là. Il n'y a pas de chemin. Mais par où je vais, moi? Non. Non. Attends, faut peut-être descendre là. Mais du coup, c'est profond ou pas? Voyons. Ah, mais si, on voit le sol. On voit le sol, tout va bien. Très bien. Parce que là, il faudra utiliser. Vous avez un sérieux problème de moisissure, madame, là. Dégueulasse. Allez. Ah, je n'ai pas sauté en face. Mais c'est vraiment des morts totalement bêtes, quoi. Enfin, il me manquait un petit peu pour m'agripper. Allez. Juste un petit problème d'alignement. Allez, venez les amis sangsues. Venez, on va faire un tour. Ouais, c'est mes amis sangsues. Ouah. Voilà, agrippe-toi. Lumière. Quelque chose ici, non, y a rien. Non, pas des sangsues, ça finit maintenant. C'est fini, on arrête. Encore de la flotte dégueulasse, on s'éclate. Mais ça fait du bien, ça rafraîchit psychologiquement, parce qu'il fait chaud. Alors. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que non, j'ai pas envie d'aller aux toilettes pour l'instant. Ah, pareil, cette salle on ne l'a pas fait dans le jeu. Dans le jeu Vanilla. Ah, j'ai compris. Ah, mais encore une fois, quoi, mais c'est...
tu fais une mauvaise manip, ça te sabote ton truc, quoi. Voilà, voilà. Le jeu est revenu, parfait, parfait, parfait. Et puis là, voilà, on peut actionner la manivelle et tout va bien, voilà. Libérez les eaux. Ok. Ah, attends, je crois que... Je crois que j'ai pigé, c'est simple. Il y avait un cran intermédiaire. Voilà, parce que là, je ne pourrais pas passer. Voilà, hop, on va juste... bouger un tout petit poil. Ok, yep. On a bien barboté, barboté dans les eaux usées, ça rime pas assez. Non? C'est pas par là alors. Bon, il faut passer, il faut pousser le fût. Ah non, attends, il y a une grille. Il y a une grille formidable. Ah. Petit autosave des familles. Ah, il est de retour, lui. On fait du parcours, parcours, parcours. Hop. On l'avait croisé, ce monstre. Ouais, on l'avait croisé, ouais. Quasiment la même phase de gameplay, quasiment la phase de gameplay. Ah, il met des tampons, le salaud. Attends, il y a des fûts bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'il y a un rapport avec la France ou c'est peut-être non la couleur des États-Unis aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce qu'on doit pas se faire pousser le fût? Aller où c'est... Ah mais arrête. Bon allez, on y va. On y va, on essaye de... Ah oui, c'est la caisse là. Ah. Et c'est le décès de l'enfant qui se noie. Ok. Je sais pas ce qu'il y a à faire. On va essayer de... Yep. On va essayer de se mettre dans la direction la plus straight pour perdre le moins de temps. Sinon je sais pas, il y a peut-être un truc avec... Il faut peut-être bouger les fûts, je ne sais pas. Wow, wow. Non. Allez hop, straight. C'était jouable. Ah, le stress d'un jeu. On passe de bons moments en famille. Ok. Voilà, ça. Bon, on va y aller doucement, on va arrêter de se faire embêter par les contrôles du jeu. Yep. Allez. Ah, il y a deux bras, mais c'est un humain en fait, c'est un humanoïde. C'est dégueulasse. Ah, du coup c'est un checkpoint, c'est un collectible, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On va dire que c'est un checkpoint. Voilà.
Mais s'il te plaît, mais arrête de... Ah, attends. Une manivelle. Hop. Non. On va choper la valve. Hop. On va essayer de sortir de cette zone aquatique. Voilà, un petit plancher des vaches. Ok, de la manivelle, il y a de l'énigme. On va en profiter pour se laisser là. C'est une formidable aventure glauquissime qui nous attend encore une fois. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche. Du coup, je vous dis à la prochaine sur le bazar. Portez-vous bien, des bisous Paul Hubert Bu. À la prochaine, salut !